est des événements, il est des moments dans la vie de la nation qui cristallisent toutes les attentions et nous tiennent tous en haleine puisque notre devenir collectif en dépend. À 3 mois de la fin du quinquennat, le dernier pour le président de la République, et face à un processus électoral sous perfusion, Joseph Kabila a donc résolu d'initier un dialogue politique national en vue d'obtenir des fils de la République un consensus sur ces sujets. C'est depuis le 1er septembre dernier que 200 participants issus aussi bien de la majorité présidentielle, de l'opposition que de la société civile y prennent part. Plus d'une semaine après le go de ces assises, où en est-on exactement? Enjeux, défis, perspectives et dessous de cartes, c'est ce que nous verrons dans ces magazines spéciaux qui reçoivent pour vous aujourd'hui un délégué phare de la majorité présidentielle à ces forums de haute facture. Il s'agit de Tryphon Kinkiemoulumba, ministre en charge des relations avec le Parlement et initiateur du Parti pour l'Action. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Alors, ces dialogues, plus d'une semaine après son lancement, qu'est-ce qui a été fait très exactement jusqu'ici? Beaucoup de choses. Aujourd'hui dimanche, nous pouvons dire que non seulement le train a démarré, a quitté les quais, mais également il a atteint la vitesse de croisière. Si c'était un avion, je dirais qu'on était déjà en train d'amorcer l'atterrissage. Parce que, en effet, non seulement le débat général a eu lieu, et tout le monde s'est exprimé, mais également les commissions, les travaux en commission ont commencé et il ne leur est donné que 2 jours au plus tard mardi prochain. Eh bien, les conclusions des commissions doivent être déposées sur la table de la facilitation. Et après, il y aura un échange. En tout cas, tout se passe très bien. Il y a même des opposants parmi les plus durs qui disent publiquement que ce qui nous unit, ce qui nous rassemble est 100 fois plus fort que ce qui peut nous diviser. Donc nous avons, les questions ont été balisées, nous sommes quasiment en train d'amorcer l'atterrissage. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ce qui a déjà été fait? Je sais par exemple que vous avez auditionné le président de la centrale électorale, vos collègues de l'intérieur, du budget, des finances et tant d'autres personnalités. Le débat a comme fondamentaux, si je peux dire, les questions liées à la CENI. Les fichiers électoraux, les séquences des élections. Voilà. Tout le bureau de la CENI s'est présenté et a présenté la situation de la CENI, également d'autres experts, que ce soit des experts de l'Union africaine, que ce soit des experts de Nations Unies, que ce soit des experts des États-Unis, que ce soit des experts de l'OIF. Se sont, si vous voulez, succédés devant le dialogue et ont confirmé mot à mot le rapport de la CENI. En fait, la CENI est en situation de dire à la classe politique congolaise ce que je vous avais dit il y a plusieurs mois déjà et confirmé aujourd'hui. Et que si vous m'aviez écouté, eh bien, on ne serait pas au niveau où nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque l'opposition réclame le vote de nouveaux majeurs, c'est une demande tout à fait pertinente, j'allais dire légitime, parce que les élections doivent être inclusives. Elles ne peuvent pas exclure un Congolais qui est en situation de voter, qui est en âge de voter. Il faut que tout Congolais, où qu'il soit, à l'étranger, au Congo, qui a atteint l'âge de voter, puisse voter. Il peut se trouver dans l'Ituri, il peut se trouver à Beni, il peut se trouver dans des zones compliquées, il faut qu'il puisse voter. Sinon, ce Congolais-là peut saisir la Cour constitutionnelle et réclamer ses droits. Et même l'annulation des élections, de 1. De 2, les séquences électorales. Comment nous allons aller au niveau de quelle élection
va venir en premier, quelle élection. C'est une question qui divise profondément les délégués au dialogue. Absolument. Mais là aussi, il y a une commission qui s'appelle mesure de confiance, mesure d'équité, à laquelle j'appartiens. Et voilà, l'équité, notamment, c'est quoi? L'équité, c'est le fait que, comment voulez-vous, madame, que les députés aient été deux fois devant l'électorat et que les sénateurs n'aient jamais été devant l'électorat? À qui la faute? Attendez, c'est déjà ça le problème. Il n'y a pas que le sénateur, il y a le gouverneur. Il n'y a pas que le gouverneur, il y a les députés provinciaux. L'équité, c'est aussi ça. Pourquoi demandez-vous à ce que les députés puissent aller se présenter deux fois, et si on décide de suivre l'opposition, les députés pourraient se présenter une troisième fois, alors que les sénateurs seraient là depuis 10 ans sans renouveler leur mandat? Il y a un problème. Donc voilà. C'est pour ça qu'au niveau de la séquence des élections, nous disons qu'il faut commencer par le commencement. Mais ça ne nous divise pas. De toute façon, aujourd'hui, je ne peux pas dire ce qui va sortir de ce dialogue, parce que il y a énormément, effectivement, de convergences, mais nous n'avons pas encore atterri. Il faut encore rédiger. Il y a aussi des divergences. Il faut, pardon ? Il y a aussi des divergences. Oui, mais c'est normal. Mm-hmm. Vous savez, quand on se trouve face à une conférence ou à un congrès comme celui-ci, eh bien, il y a des problèmes, il y a des divergences forcément, et il y a des convergences. Mais aujourd'hui, nous avons plus de convergences, de points de convergence, que des divergences. L'équité, c'est aussi de reconnaître que votre majorité au pouvoir a échoué d'organiser les élections de sénateurs, des gouverneurs et tout ça. Mais madame, c'est possible. Nous n'avons pas organisé ces élections. Mais le problème est celui-ci. C'est aussi ça le bon sens. Nous sommes un pays de combien, madame? Nous sommes un pays de 70 millions d'habitants. Le corps électoral congolais, c'est vous qui devez dire ça aux Congolais. Le corps électoral des Congolais, le corps électoral congolais aujourd'hui est composé de 41, peut-être 45 millions de votants. Vous savez, je n'ai rien contre qui que ce soit, je ne veux pas créer un incident diplomatique, mais les élections qui ont lieu au Gabon, c'est combien? 133 000 votants. 133 000 votants. Appelle le Congo, par exemple. Pardon? Appelle le Congo central. Appelle le Congo central. Même pas le Congo central, à peine un territoire congolais. Et, bon, il y a des pays, et d'autres pays, comme Djibouti, qui ont combien? 100 000 votants. Et nous avons 41 millions. Et ces pays-là ont parfois un budget plus important que le nôtre. Nous avons un budget de combien? De 4 milliards. Quand des pays comme le Congo-Brazzaville ont un budget de plus de 15 milliards, l'Angola a un budget qui approche les 60 milliards. C'est vrai. Avec la guerre, la crise du pétrole, c'est bien moins. Mais c'est des budgets qui sont des budgets colossaux. Nous sommes un pays qui sort d'une crise. Donc, nous demandons aux Congolais d'avoir le bon sens. Oui, nous n'avons pas pu organiser ces élections. Mais le problème est de savoir qu'est-ce qui est plus important. Il y a un délégué de l'opposition qui a dit, mais écoutez, moi, chez moi, quand je parle d'élections, les gens disent, bon, très bien les élections. Mais moi, j'ai besoin qu'on me construise une route. Et là aussi, c'est un débat qui a été mis sur la table par la CENI. La CENI estime qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de partis politiques. Nous dépensons beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Et il est bon aujourd'hui que le débat portant sur le mode de scrutin puisse être lancé. Voilà. C'est toutes ces questions qui sont en train d'être abordées, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui vers quel accord nous avançons. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus de points de convergence aujourd'hui. Déjà sur la CENI. La CENI a été diabolisée comme jamais. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la CENI avait raison. On veut aussi quoi? Recomposer la CENI. Mais voilà, vous voulez recomposer la CENI. Mais on a mis 10 mois. Quasiment pour mettre en place cette CENI. Vous ne pouvez pas vouloir une chose sans contraire, madame.
si on veut aller vite, c'est bien ce que tout le monde veut. Nous ne sommes pas, au niveau de la majorité, ceux qui défendent à tout prix la CENI, mais nous appelons au bon sens des Congolais. Si vous voulez qu'on y aille vite, nous sommes d'accord. Mais alors, ne demandez pas le nouveau majeur, parce qu'il faut du temps pour cela. Ne demandez pas la recomposition de la CENI, entre autres, parce que ça va nous prendre encore 7, 8, 9 mois de discussion. Voilà. Le jour de son audition par les délégués au dialogue, le président de la centrale électorale vous a présenté 3 options pour la tenue des élections et la majorité semble s'accrocher à la 3e, c'est-à-dire la refonte de l'ensemble du fichier électoral, ce qui prendra 16 mois et un jour. Là, nous sommes déjà au-delà des délais constitutionnels. Alors, pourquoi la majorité s'accroche-t-elle à cette 3e option? S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Et puis, ceux qui disent depuis le début que la majorité n'a jamais eu l'intention de respecter la Constitution, n'ont-ils pas finalement raison aujourd'hui? Non. C'est des procès d'intention. Votre rapporteur l'a dit. Moi, je n'ai pas... C'est ce qui nous a confié, nous, la presse. Je ne suis pas le rapporteur. Je vous dis, c'est des procès d'intention. Ça fait des mois et des mois qu'on fait ce procès d'intention à la majorité. Madame, vous savez bien que nous sommes la majorité. Nous sommes au pouvoir. Nous avons quand même un peu plus de moyens que quiconque. Cela va de soi. Donc, pourquoi on n'irait pas aux élections aujourd'hui? Vous savez très bien, quand il s'agit de mobiliser, nous mobilisons plus que les... Et l'opposition. Donc, nous sur fond d'espèces sonnantes et trébuchantes, c'est ce qui se dit. Je vais vous dire, il n'y a pas que la majorité présidentielle qui a choisi. C'est le bon sens à nouveau. Et même les experts de l'OIF, et même les experts des Nations Unies, et même les experts des États-Unis disent qu'il n'y a que la 3e option qui vaille la peine. Parce qu'à nouveau... La 3e option, c'est la refonte totale du fichier électoral. Parce que ce fichier électoral a été qualifié par les uns et les autres de corrompu. D'autres disent qu'il est inapproprié. D'autres disent encore des choses plus fortes. Personne ne veut de ces fichiers électoraux. La première option veut dire que nous allions, en mettant de côté 10 millions de Congolais. Ça, c'est la première option. Mais madame, comment voulez-vous, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne vais pas vous le demander, je ne me le permettrai pas, mais il y a des personnes qui ont la même taille que vous, qui sont aujourd'hui en âge de voter, mais qui n'ont pas de carte de vote. Et ces personnes, ce sont des Congolaises qui sont en droit de voter. Vous allez leur refuser ce droit-là. Ça n'a pas de sens. Nous serions ici dans cette maison avec 5 personnes dont 2 auraient l'ancienne carte de vote, l'ancienne carte électorale, et 3 qui n'en auraient pas. Alors ces 2 personnes peuvent aller voter et les 3 rester à la maison. Mais c'est un problème d'injustice. Voilà ce qu'est dit la première option. La deuxième option, on dit on nettoie. Mais quand on nettoie, on ne fait que nettoyer. La saleté reste. Alors, à nouveau, il y aura contestation. D'où la 3e option. Appuyez, madame, il faut que vous le sachiez. Il n'y a pas que la majorité présidentielle qui appuie. C'est tout le monde qui appuie la 3e option, qui est la refonte totale du fichier électoral. C'est le bon sens. Ce n'est pas que la majorité, non. Et à nouveau, il ne faut pas toujours remettre en doute la parole officielle. Il ne faut pas croire que ce pays va avancer sur la suspicion permanente. Chaque fois qu'un homme politique, je veux dire, un homme public, un membre du gouvernement, quelqu'un qui assume des fonctions officielles, dit quelque chose, on dit « ce n'est pas normal ». Non, nous ne pouvons pas avancer sur la suspicion permanente. Il faut arrêter ça. Voilà. En l'espace de 2 semaines, 2 délégués de l'opposition claquent la porte du dialogue. Jean-Bertrand Iwanga de l'UNC de Vital Kamerhe et Albert Moleka. Ils dénoncent au fait des propositions insensées qui leur avaient été faites. Alors ces dialogues, monsieur le ministre, n'est-ce pas finalement une grande messe noire?
vous complotez contre la République, madame, peut-être bien. Madame, en croire un pays qui a 70 millions d'habitants. Vous me dites que deux personnes claquent la porte du dialogue. Non, une personne claque la porte du dialogue. Albert Moleka. Et Wanga a été exclu de l'UNC. Il n'y a pas que lui. Luboya aussi, je crois. Et Wanga a bel et bien claqué la porte juste à l'issue des travaux du comité préparatoire. Oui, en effet. Voilà. Mais je parle du dialogue. Mm-hmm. Bien. Luboya aussi, il a été exclu, Luboya. Madame, nous sommes un pays de 70 millions. Pensez-vous que dans un pays de 70 millions, où il y a la démocratie, où la parole est libérée, où n'importe qui peut décider ce qu'il veut, vous pensez que deux personnes, ou trois personnes, ou 100 personnes, ou un million de personnes qui décident de ne pas participer au dialogue, c'est un problème ? Mais ce n'est pas du tout un problème. Mais quand ils parlent des propositions insensées qui leur avaient été faites... Mais c'est leur droit. Quelle proposition insensée? Écoutez, madame, je n'étais pas là. Madame, vous savez, le facilitateur Kodjo a dit récemment que le Congolais a cette capacité de transformation. L'homme politique congolais. Vous voyez à deux, dans un salon, dès que le Congolais, l'homme politique congolais se retrouve face aux médias, il change de discours. Il dit exactement le contraire que vous vous êtes dit. Lorsque vous lui posez la question, il dit non, ici, les Congolais adorent des discours excessifs. Et à nouveau, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est la courtoisie de l'autre, c'est le respect de l'autre, c'est le respect des institutions. Ici, on désacralise tout. Il faut arrêter cela. Tout le monde se met sur le modèle Tshisekedi. Le modèle politique qui marche ici, c'est Tshisekedi. Il faut être extrémiste. On vous donne un document de prestation de serment, vous biffez devant tout le monde. On vous dit, serrez la main au chef de l'État, vous dites non, je n'ai pas besoin de serrer sa main. Vous allez dire, voilà, tel chef d'État, il mérite la CPI, la Cour pénale internationale. Mais pourquoi? Quelle population il a génocidé? Mais on a besoin ici au Congo, sans doute, pour être élu, de développer un discours extrémiste. Que voulez-vous que je vous dise? Quelle proposition insensée on aurait fait à Iwanga? Mais s'il y a des propositions insensées, des propositions à faire, sans doute on les ferait à son président de parti, Kamere. Donc lui, qui est un petit, qui fut un petit secrétaire général, ok, on va lui dire, tu vas être premier ministre ou tu vas être président de la République, alors qu'on ne ferait aucune proposition à Vital Kamerhe. Non, je pense que le ministre de la communication et des médias avait raison. Il a besoin de monter les enchères auprès de ceux qui l'ont acheté. C'est comme ça que je comprends les choses. Alors, selon le président de la centrale électorale, Corneille Nanga, il est impossible d'organiser la présidentielle cette année 2016. Alors, pour beaucoup, ces dialogues, ce n'est qu'une interloupe pour entériner le glissement. Votre réaction? Madame, moi je voudrais que vous puissiez être positive. Je voudrais que la presse congolaise soit positive, que la presse congolaise soit une presse citoyenne, qu'elle comprenne les choses. À nouveau, c'est le bon sens. Ce sont des questions que des Congolais moyens se posent. Oui. Et la presse ne fait que rapporter les inquiétudes, les préoccupations de oui, cette population. Mais la presse ne peut pas que rapporter. La presse a le devoir d'informer, de donner la bonne information, de former. Je n'aime pas beaucoup le mot former, mais je pense que dans le cas d'espèce, c'est ça. Il faut former. Vous n'êtes pas là qu'à poser des questions, vous êtes là à donner l'éclairage. C'est ça, l'éclairage. Il faut le donner. Mais vous savez très bien, madame, qu'il y a une constitution qui dit que le président ne remet le pouvoir qu'au président élu. Des députés ont interrogé la Cour constitutionnelle pour qu'elle donne son interprétation de cet article. Eh bien, la Cour constitutionnelle a effectivement confirmé
c'est que la majorité se disait. Voilà. C'est la haute cour. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président de la République. Donc, il n'y a pas de vide constitutionnel. Il n'y a pas de vacances au poste de président de la République si la présidentielle n'a pas lieu. C'est aussi clair que l'eau de roche. Et c'est justement pour éviter ces problèmes que l'UDPS, c'est-à-dire la majorité, l'opposition, avait entrepris de rencontrer le président de la République et de lui proposer le dialogue. Le président de la République s'est dit, ben écoutez, je veux bien faire le dialogue, mais quel type de dialogue? C'est à ce moment-là qu'il a entrepris d'écouter toute la sphère politique congolaise. Il a écouté tout le monde et puis finalement il s'est laissé convaincre qu'effectivement le Congolais voulait ce dialogue. Il a convoqué ce dialogue, mais ça fait quasiment un an. Mais si on l'avait écouté, si l'UDPS qui avait demandé ce dialogue, et vous savez très bien, madame, nous l'avons déjà dit à un de vos collègues lors d'une émission de télévision, qu'il y avait un accord qui avait été signé entre la majorité présidentielle et l'UDPS. Un accord portant sur quoi? Mais cet accord-là, je vous réponds, cet accord-là a été confirmé dans le discours d'ouverture du dialogue par le facilitateur Edem Kodjo. Mais posez la question à l'UDPS. L'UDPS demande des preuves d'ailleurs. Mais non, la madame, preuve de cet accord secret. Vous n'allez quand même pas, pardonnez-moi, je ne peux pas me permettre de vous dire ça, mais je vais vous dire, soyons sérieux les Congolais. Vous pensez que un diplomate des hauts vols de ce rang-là, devant la communauté internationale, les représentants du secrétaire général aux Nations Unies, le représentant de l'Union africaine, tout le corps diplomatique, vous pensez que l'ancien Premier ministre togolais peut venir raconter, pardonnez-moi, des balivernes? Non, cet accord existe et cet accord a été signé. Quel sérieux donneriez-vous à un homme qui peut signer et qui peut, je veux dire, le lendemain, oublier qu'il a signé, ne pas reconnaître sa signature? C'est, voilà pourquoi nous, classe politique congolaise, nous, hommes politiques congolais, on n'est pas pris au sérieux. Les diplomates nous regardent. Madame, pourquoi les diplomates aujourd'hui appuient ces dialogues? Parce qu'ils ont considéré que c'est la seule voie royale de nous éviter tous ces problèmes colonnants. Aujourd'hui, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a une entrée en scène d'un homme, l'ancien gouverneur du Katanga, qui a énormément de moyens. Moïse Katumbi. Voilà. Qui distribue des moyens. Avez-vous déjà vu un opposant parti malade revenir comme un chef d'État à bord d'un jet privé, affrété par qui? Qui organise tout ça? Ce sont des millions de dollars que l'on a, qu'on est en train de mettre à la disposition, je veux dire, de ses rêves. Il était parti, il a quitté le pays en disant qu'il est malade, il va se faire soigner. Et vous, quand vous l'invitiez à Ibiza, à Venise, tout ça, c'était gratos, tout ça, c'était gratuit? Mais madame... Sans rien, quand vous signez cet accord secret à l'hôtel Raphaël à Paris, tout ça, c'est... D'ailleurs, vous n'avez toujours pas dit sur quoi porter cet accord secret. Madame, mais je vous dis que cet accord existe, et cet accord, un jour, sera... Pourquoi ne pas nous en donner la preuve, nous, les médias? Mais non, mais cet accord, un jour, sera publié. Mais c'est normal, les médias ne peuvent pas tout connaître, même aux États-Unis, même en Europe. Il y a des secrets d'État. Ce n'est plus un secret que je sache, puisqu'on en parle publiquement. Attendez, le moment venu, et je vous jure que ce moment n'est pas loin, ces documents vont être publiés. Ça, j'imagine, ces documents vont être publiés.
Il portait sur quoi cet accord? Mais cet accord portait sur quoi? Vous imaginez porter sur quoi? Sur comment on peut gérer la situation après la fin du mandat. Parce qu'il y aura, il y a une fin. Sur fond des partages des postes et tout ça, partage équitable et équilibré du gâteau, comme à San City. Mais ça, c'est vous qui le dites. Mais je veux dire, nous, majorité, sommes d'accord avec la Constitution qu'à une date précise, le président de la République arrive fin mandat. Mais en même temps, la même Constitution dit qu'il n'y a pas de vide, qu'il n'y a pas de vacances. Comment nous, on pourrait gérer le Congo? On va gérer ces moments-là. De un. De deux, le problème des élections au Congo. Madame, nous avons 4 milliards de dollars. Faut-il que tous les 5 ans, nous puissions prendre 1 milliard au lieu de mettre ça à la construction de... Dans le projet de construction de routes, des infrastructures, dans des projets scolaires, dans des projets de santé, faut-il toujours prendre 1 milliard de dollars tous les 5 ans et le mettre au service de la CENI? C'est des questions de bon sens. C'est toutes ces questions qu'il va falloir, qu'on doit pouvoir aborder. Mais il y a que les Congolais qui peuvent aborder ces questions. Le mode de scrutin, c'est un débat que j'ai lancé il y a plusieurs mois. Le mode de scrutin, faut-il toujours ce mode de scrutin qui fait que le président de la République doit pouvoir, je veux dire, circuler à travers tout le pays, un pays immense avec des problèmes d'infrastructure, est-ce que ne faut-il pas, par exemple, que le président de la République puisse être élu dans le cadre d'un parlement, d'un congrès? Comment régler la question du Sénat, qui est arrivé depuis longtemps, fin mandat? Comment régler ces questions-là? C'est des questions importantes, ce n'est pas des questions de partage de pouvoir. Mais qu'est-ce que vous avez contre le partage de pouvoir? Dans le gouvernement actuel, il y a des opposants qui sont là-bas. Et où est l'intérêt du peuple quand vous, politiques, vous partagez les pouvoirs? Mais non, l'intérêt du peuple, justement, c'est que les hommes politiques congolais se mettent d'accord entre eux. Et qui ne se retrouve et qui ne transforme pas ce pays en vaste chantier de guerre. C'est ça l'intérêt du peuple. Que ce pays puisse être pillé, ce n'est pas possible. Que ce pays puisse, comme le président de la République, on ne peut pas se permettre qu'il y ait un mort de plus dans le cadre d'un débat électoral. Que ce pays organise les élections le plus apaisées. Vous savez très bien que dans certaines parties du pays, des candidats députés n'ont pas pu voter parce qu'ils étaient incarcérés par des militants quelque part. Dans la brousse, on a dû envoyer un hélicoptère pour aller les chercher. Ce n'est pas possible. Donc il faut des élections apaisées, il faut une entente, il faut un code de bonne conduite. C'est tout cela. Mais madame, mais combien de fois nous n'avons pas connu les dernières élections? Elles ont été... Il y a eu une guerre dans ces pays. Les élections de 2006. Bemba avait une milice. Les dernières élections, c'est Tshisekedi qui s'est proclamé président de la République et a prêté serment dans sa chambre à coucher. Est-ce que c'est normal qu'on trouve des choses comme... Il nous faut comme... C'était plutôt sous un arbre, pas dans sa chambre à coucher. Voilà, j'en sais rien. Sous un arbre ou dans sa chambre à coucher, je ne sais pas où, je n'étais pas là. Mais il a prêté serment quelque part, chez lui. Ce n'est pas normal. Il faut installer une courtoisie électorale. Comment peut-on un jour organiser des élections et que le perdant puisse prendre son téléphone, appeler les gagnants lui disant, voilà, bravo,
vous avez gagné. Je vous félicite. Et tout ça, il faut qu'on se mette d'accord. Puisque vous parlez des chaos, Étienne Tshisekedi, lui, ne jure que par la tenue de la présidentielle cette année. Il a même lancé un préavis au président Kabila le 19 décembre. Il doit remettre les clés du palais de la nation. Sinon, il promet d'embraser la rue. Il demande aux jeunes gens de se prendre en charge et tout ça. Les chaos, vous en savez quelque chose en tant qu'ancien dignitaire de la Deuxième République. Bien, madame, je suis dignitaire du régime aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. C'est que je vous dis, ben, lui, il est pour l'option de la rue. Mais la rue appartient à tout le monde. La rue appartient à tout le monde. C'est ça, on veut embraser ce pays. Mais la rue appartient à tout le monde. Lorsque la rue va parler, mais j'imagine que tu sais qu'il ne va pas rester chez lui. J'ai cette expérience, en effet. C'est tout le monde qui va se cacher. C'est ce que l'on veut. Les armes, quand elles parlent, les balles, quand elles sifflent, elles ne regardent pas si elles doivent aller vers un opposant ou vers un homme de la majorité. C'est tout le monde. Donc il faut faire attention. Et je pense que ce n'est pas ce que nous voulons. Ce pays a 400 tribus. Ce pays n'est pas comme des pays où on a deux tribus, deux ethnies, et que l'on peut facilement jeter dans une sorte de guerre civile. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand vous voyez Kinshasa, Kinshasa s'est remise à travailler. Les gens aiment cette ville. Les gens aiment ce pays. C'est pour ça que le président de la République a appelé au dialogue. Le dialogue, justement, le but final du dialogue, c'est quoi? C'est la paix. Parce que des élections apaisées pourraient être organisées dans ce pays. Les deux dernières élections n'ont pas été des élections organisées dans la paix. Aujourd'hui, il est grand temps que nous puissions réfléchir, que la classe politique congolaise puisse réfléchir pour installer la paix et qu'on organise des élections dans la paix. Et qu'au lendemain des élections, on ne se retrouve pas dans la situation où il y a une guerre. Voilà. À vous entendre parler, il n'y aura pas de vide juridique après le 19 décembre 2016. Mais que répondez-vous à ces constitutionnalistes de l'opposition qui pensent que c'est au président du Sénat d'assurer l'intérim du président Kabila après le 19 décembre, puisque visiblement Joseph Kabila sera touché par un cas d'empêchement? C'est ce qui est prévu dans la Constitution. Et puis d'autre part, Étienne Tshisekedi qui se voit déjà président de la transition qui sera instaurée après. Mais je pensais que Étienne Tshisekedi était déjà président, non? Il est président élu. Il s'est dit président. Il n'a pas l'impérium qui a été confisqué par votre majorité. Ah, je ne sais pas ce que vous appelez impérium. Mais il a prêté serment. Il a prêté serment dans sa chambre à coucher ou sous un arbre. Il a prêté serment. Il a toujours dit qu'il était président élu de la République démocratique du Congo. Hein? Quand il organise des manifestations chez lui, eh bien, il y a un tapis rouge. Il marche sur un tapis rouge. Il y a le drapeau de la République qui est derrière lui. C'est ça, l'impérium. Mais maintenant qu'il... Non, écoutez, c'est du théâtre, cela. Madame, nous sommes un pays qu'il faut enfin pouvoir respecter. Il y a une cour constitutionnelle. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Un opposant estime que c'est lui qui a été élu. Il s'est adressé à la cour constitutionnelle. Quand la cour constitutionnelle parlera, vous pouvez effectivement critiquer l'arrêt de la cour, mais vous ne pouvez rien y faire. Lorsque vous allez devant un juge, et lorsque le juge vous donne raison, la partie qui a perdu le procès a le droit de contester. Mais l'arrêt va être appliqué. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important. Nous sommes une démocratie, que ce soit au Congo, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Chacun de nous peut dire ce qu'il veut sur un arrêt, sur une disposition constitutionnelle. Mais la seule cour, la seule instance à pouvoir interpréter définitivement la loi fondamentale, eh bien, c'est la cour constitutionnelle. Quand elle a parlé, eh bien, tout le monde se met au garde à vous. C'est comme ça. Vous pouvez contester, il n'y a aucun problème. Mais c'est la loi, c'est l'arrêt de la cour qui s'applique.
J'aimerais ouvrir une petite parenthèse que je vais aussitôt refermer après. Vous vous plaignez tout à l'heure de notre budget qui n'est que de 4 milliards de dollars. Cela alors que le Premier ministre et son gouvernement, vous en faites partie, nous a vendu un budget de 7 milliards de dollars. On nous parle tous les lundis au sortir de la troïka stratégique, de la stabilité du cadre macroéconomique, un taux de croissance record, etc., etc. Alors quand vous vous plaignez de notre budget, n'est-ce pas un aveu d'échec, monsieur le ministre? Mais madame, un budget, c'est une projection. C'est une promesse. Vous dites, j'espère pouvoir réaliser un budget à la fin de l'année de X. C'est une projection. Mais il y a les réalités. Il faut entre-temps que l'État, les entreprises et tous les systèmes fiscaux fonctionnent. Que ce système fiscal ait la capacité de mobiliser les ressources. Il n'y a pas que ça. Notre budget est aussi aidé en partie par des aides extérieures qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Et à la fin de l'exercice budgétaire, on se rend compte qu'on avait vu grand, qu'on n'a pas été en mesure de réaliser ça. Il n'y a pas que ça. La crise de nos prix de produits d'exportation, vous connaissez, il n'y a pas que nous. La Zambie a des gros problèmes. Il y a même des messes qui se disent là-bas. En Angola, c'est le même problème. Au Congo, c'est le même problème. Nous sommes dans un monde interdépendant. Donc, voilà, nous avions par exemple prévu que le taux de croissance serait de 10%. Nous, aujourd'hui, nous sommes à un taux de croissance de 4%. C'est normal. Et vous dites, aveu d'échec. Mais qui aurait pu prévoir ça? C'est une conjoncture qui arrive. La conjoncture peut être bonne ou mauvaise, mais dans le cas d'espèce, elle est mauvaise. Parenthèse aussitôt refermée, j'aimerais qu'on revienne au dialogue. Alors, que vaut ces dialogues sans un opposant de la trempe d'Étienne Tshisekedi et tout son rassemblement? Très honnêtement, monsieur le ministre. Que vaut ce dialogue sans un opposant comme Étienne Tshisekedi? Mais c'est Étienne Tshisekedi qui avait demandé le dialogue. Dites-moi pourquoi il n'est pas venu au dialogue. Mais parce qu'entre-temps, il y a des facteurs qui le dépassent, qui sont entrés en ligne de jeu. Mais que voulez-vous que je vous dise, madame? Il a demandé le dialogue, on le lui a donné, puis au finish, il ne vient pas. Alors, pensez-vous que le Congo va être systématiquement pris au piège des caprices d'Étienne Tshisekedi? Ah non! Vous ne pouvez pas vous dire que ce dialogue qui réunit autant d'hommes de qualité, vous le connaissez, ne représenterait rien parce qu'un homme qui s'appelle Tshisekedi, qui a atteint l'âge que vous connaissez, qui quasiment n'a jamais fonctionné comme homme d'État dans ce pays, après avoir été l'ami de Mobutu, a systématiquement refusé d'exercer le pouvoir, préférant être dans l'opposition, s'est fait remettre ce qu'on lui remet. Je n'ai pas de dessin à vous faire. Il a sans doute une image qu'il veut laisser. Il s'est dit être une icône. En effet, c'est une icône pour ses partisans. Il ne veut pas tuer cette icône. Vous savez, exercer le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a dit, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir sans, en ayant les mains propres. Ceux qui ont les mains propres n'ont pas de mains. Donc vous avez des mains sales, si j'ai bien compris. Tout homme qui exerce le pouvoir a des mains sales. Tout homme, ce n'est pas moi qui ai dit. Tout homme. Ceux qui ont les mains propres n'ont pas de mains. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quelle mains sales j'ai. Mais quand on prend une décision, cette décision peut être interprétée diversement. Madame, vous m'avez toujours reproché d'avoir vendu la 3G à 15 millions de dollars.
Vous avez même prétendu que la 3G a été vendue. 20 millions, 50 millions de dollars au Congo-Brazzaville. Je vous ai répondu que non, au Congo-Brazzaville, on a vendu la 3G à 12 millions de dollars. Et nous l'avons vendue à 15 millions de dollars, la 3G. Et je vous ai dit que le Congolais consommait moins que le Gabonais ou le Congolais de Brazzaville. Donc ça, ça entre en ligne de compte. Mais chez certains Congolais, ils s'imaginent qu'il a vendu la fibre optique à 15 millions, donc il a empoché de l'argent. Mais je vais empocher de l'argent comment? Voilà. Première chose. Deuxième chose, la fibre optique. La fibre optique, j'étais nommé ministre alors qu'il y avait la crise sur la fibre optique, le point d'atterrage de Moanda. C'est moi qui ai répondu une semaine après ma nomination à cette question qui avait été posée par un député. On a mis en place une commission parlementaire qui ne m'a jamais posé la moindre question parce qu'il n'y avait pas de questions à me poser. On est allé poser la question à la SCPT, la Société commerciale de postes et télécommunications. Toutes les décisions avaient été prises par mes prédécesseurs. Mais dans la tête de certains Congolais, ils s'imaginent que j'en ai mis plein les poches. Qui voulez-vous? C'est ça être un homme politique. C'est ça être un ministre. Voilà. Alors, vous pouvez prendre un acte qui peut être contesté. C'est aussi ça. Quand je parle de mes salles, c'est ça. Donc, celui qui a les mains propres n'a pas les mains. Donc, Tshisekedi estime que c'est sans doute plus agréable pour lui d'être opposant, d'accepter de se faire affréter des avions, de se faire offrir du champagne, du caviar, à plus de 10 000 mètres d'altitude, et de recevoir tout ce qu'il reçoit, mais exercer le pouvoir, non. Mais ça lui suffit. Il a raison, sans doute. Mais c'est dont les Congolais ont besoin. C'est le risque que des hommes prennent pour tenter de redresser ces pays. Ces pays doivent être redressés. Et pour ça, il faut prendre le risque. Et nous le prenons chaque jour. Mais tu sais que dit quand il pose des préalables qui paraissent assez simples, par exemple quand il exige la libération de certains prisonniers comme Eugène Diomindongala, comme Jean-Claude Muyambo, que perdrait très honnêtement le président de la République à faire libérer Diomi et Muyambo? Que perdrait-il? Madame, pourquoi vous personnalisez les cas? Nous parlons de principes. La loi est impersonnelle. Il ne faut pas voir des individus. Vous avez été violé des petites filles. Et tout le monde se focalise sur vous. Parce que vous êtes homme politique, vous violez une petite fille. On va vous libérer. Mais allez voir dans les prisons combien de violeurs il y a dans les prisons. Et eux, ils vont dire quoi? Vous vous attribuez la maison de l'autre, d'un privé. Les documents sont là. Vous êtes condamné. Vous dites non, qu'on oublie ces poursuites-là, parce que je suis un homme politique. Mais attendez, madame, ce n'est pas ça l'État. Non. Les décisions doivent être impersonnelles. Ne me parlez pas de Diomindongala, ne me parlez pas. Non, on prend une décision. Une loi d'amnistie. Voilà, les gens qui sont dans la catégorie telle, doivent être libérés. Les experts se mettent à regarder, à examiner les cas. Qui est libérable? Qui n'est pas libérable? Katumbi est poursuivi pour pire que ça, atteinte à la sûreté de l'État, tout ça avec cette affaire des mercenaires. Pourtant, il a été libéré, il a été laissé tranquille par la justice pour aller se faire soigner à l'étranger. Muyambo, qui est poursuivi pour peu que ça, on lui refuse d'aller se faire soigner à l'étranger. Pourquoi cette politique des deux poids, deux mesures? Vous y comprenez quelque chose, vous? Ah, mais posez la question à Moïse Katumbi. Il va vous dire le contraire. Il ne va pas vous dire qu'il est un privilégié du régime. Au contraire, il vient de plaider devant le Parlement européen où il présente une image diabolique du régime congolais.
Alors, il faut lui poser la question. Dites-lui, monsieur, vous êtes un privilégié. Voilà, vous, on vous a autorisé d'aller à l'étranger vous faire soigner, alors que d'autres sont ici. Je ne connais pas le dossier. Je ne suis pas le ministre de la Justice. Je ne suis pas le procureur général de la République. Je vous dis, je fais confiance à la justice congolaise. Vous avez l'obligation de faire confiance à la justice congolaise. La justice congolaise, ce n'est pas le ministre de la Justice. La justice congolaise, ce n'est pas le président de la République. La justice congolaise, c'est un pouvoir judiciaire. Maintenant, nous disons qu'il peut y avoir des problèmes dans la distribution de la justice. Je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas non plus diaboliser la justice congolaise. Mais écoutez, le cas de Muyambo, moi, je n'étais pas là quand on l'a pris dans cette situation de viol. Mais si un juge, c'est aussi ça l'État, c'est faire confiance dans les institutions du pays. Mais quand un juge dit que reconnaît tel monsieur qu'il s'est rendu coupable de viol, il faut lui faire confiance. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, finalement, ce qui est valeur chez nous n'existe pas. Il n'y a plus aucune valeur. Il n'y a plus aucune référence. Mais s'il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune référence, on est là pour. On est en train de faire quoi? Il faut élever les débats. Il y a des questions sur lesquelles on ne devrait même pas discuter. On a des problèmes. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir des problèmes. Je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas non plus croire que ces pays soient un enfer. Ce n'est pas possible. Vous ne seriez pas là, madame. À l'issue du dialogue, il y aura un accord politique. C'est quoi cet accord? Il portera sur quoi, à votre avis? Non, j'ai dit, nous avons rassemblé un certain nombre de points de convergence, un certain nombre de points de divergence. Et les points de convergence sont 100 fois plus importants que le point de divergence. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine dans une plénière où on va essayer de régler ces questions-là. Mais je ne peux pas aujourd'hui vous dire sur quoi va porter cet accord. Je ne peux pas vous dire quel type d'accord nous allons obtenir. Et même si nous allons obtenir un accord, je ne peux pas vous dire. Je dois être juste avec vous. Je sens, et tout le monde, de la majorité comme de l'opposition, dit que les points de convergence sont 100 fois plus importants que le point de divergence. Est-ce que nous allons aller vers un accord? Certainement. Quel type d'accord? Je n'en sais rien. Mais je peux vous assurer, ça sera le meilleur accord que les Congolais puissent réaliser. Dernière question pour terminer. Comme il n'y aura pas de présidentielle cette année, c'est connu de tout le monde. Le président de la centrale électorale l'a dit. Le président Kabila reste à la tête du pays après décembre 2016. Et c'est pourquoi vous vous battez depuis la création de votre mouvement Kabila Désir. C'est quoi finalement l'esprit Kabila Désir? Pour beaucoup, dans l'opinion, c'est juste de l'opportunisme, de la flatterie. Éclairez-nous aujourd'hui, c'est quoi l'esprit Kabila Désir? Écoutez, madame, vous savez, les Congolais sont des gens extraordinaires. La suspicion, la critique facile de l'autre. Mais madame, vous êtes là, une personne. Des gens peuvent vous détester, mais il doit exister des gens qui vous aiment. Kabila a certainement des gens qui le détestent. Mais Kabila a certainement des gens qui l'aiment. Quand vous voyez, madame, comment cette ville se transforme, à nouveau, je dis que nous n'avons pas atteint les niveaux des très grandes villes du monde. Mais moi, je vois comment les Congolais de l'étranger reviennent dans ce pays. Quand vous vous promenez à pied, avec tous ces malls qui s'ouvrent, mais on n'a plus envie d'aller en Europe. Mais cette ville, ça fait bon vivre. Il n'y a pas que cette ville, ces pays. Mais à nouveau, je dis, attendez, nous n'avons pas encore atteint le point ultime. Nous sommes en train d'aller vers cela.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des changements. Aujourd'hui, pour aller à Lubumbashi, mais vous avez un avion, un confort qui vous rend, qui vous amène à Lubumbashi, qui vous amène à Kisangani, qui vous amène à Goma, qui vous amène à Mbujimayi. On n'avait jamais eu ça. Les infrastructures modernes, madame, se mettent en route. Alors, Kabila désire, c'est quoi? Quand nous entendons des opposants à l'époque dire « Nous allons envoyer Kabila à la CPI », nous disons « Non, ce n'est pas possible ». Qu'est-ce que Kabila a fait pour qu'on l'envoie à la CPI? Quelle population Kabila a génocidé? En fait, je suis en train de vous dire, nous nous sommes mis debout face à ce que j'ai toujours appelé le déluge de mensonges. Nous disons non. Il y a un désir de Kabila. Il y a une envie de Kabila. Il faut qu'on arrête avec le mensonge. Mais un professeur, des professeurs, d'économie, je ne veux pas vous en citer de nom, vous disent aujourd'hui, des professeurs, des spécialistes des questions de développement, vous disent aujourd'hui, quand on regarde tous les chefs d'État qui ont été à la tête de ces pays, le seul qui a pu réaliser du chiffre dans ces pays, qui a pu apporter du développement dans ces pays, c'est Kabila, fils. Des études sont faites. Alors nous disons, arrêtez de diaboliser le président. Nous voulons réhabiliter notre président. Il y a quelque chose de très fort qui a été entrepris dans ce pays. C'est ça Kabila désire. Et le dire, c'est flatter. Et pourquoi on flatterait? Nous voulons simplement rétablir la vérité. C'est le devoir de vérité Kabila désire. Et nous avons décidé de passer d'une ASBL à un mouvement politique. Parce que nous pensons, comme ça se passe en France, avec un parti gaulliste, nous pensons qu'il doit exister un parti kabiliste dans ce pays. Et ça pourrait être Kabila désir. Et nous sommes des personnes, madame, décomplexées. Et j'aime bien le mot décomplexé. Nous avons le devoir de crier haut et fort nos convictions. C'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi ce magazine. J'espère vous retrouver très prochainement pour d'autres questions d'actualité. À très bientôt.